Voilà, je suis heureux, je suis avec un grand footballeur, il s'appelle Christophe Pignol. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et il va nous raconter quelque chose. Regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Mais racontez quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Que je suis très heureux d'être ici. Et bien nous aussi, que je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes sympathique, monsieur. Hein, c'est gentil, hein, merci beaucoup. Vous êtes gentil, vous avez un accent, vous êtes de où? Ah, je suis d'Aubagne. Ah oui. De Marseille, vous connaissez? Ah, je connais un petit peu. Ah, il faut aller faire un tour. J'étais là-bas, moi. Mais vous avez le soleil aussi ici. Et puis. Moi, je suis né à Amiens, dans la Somme. Ah, bah, vous n'avez pas de chance. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Mais oui, mais malheureusement. Et là, vous avez de la chance. Vous avez. Le public va pouvoir vous retrouver voilà. Parce qu'il vous aime et tout. Et puis, vous pouvez dire quelque chose. Eh bien, les gens que je vois, en fait, ici, c'est des gens qui sont un peu nostalgiques des belles saisons nantaises, puisqu'on est à côté de Nantes. Et j'ai eu la chance, moi, en tant que joueur de foot, de connaître ces belles années. Donc, en même temps, les gens se rappellent de moi comme joueur quand j'étais à Nantes. Et en même temps, le livre, il porte sur la maladie, puisque j'ai eu une leucémie en 2001. Et donc, c'est un message d'espoir à travers le livre. Et puis, voilà, en même temps, les gens, ça leur rappelle les belles années du FC Nantes. Eh bien, je suis content de vous avoir rencontré. J'ai rencontré plusieurs footballeurs dans ma vie et je suis ami avec de grandes stars du football au Maroc. Au Maroc. Non, moi j'en connais aussi. Et c'est vraiment des stars. Vous connaissez Noureddin Naïbet? Oui, ça je les connais, c'est des copains à moi. Et eux, ils sont gentils avec moi. Ils m'attrapent comme ça, je vais manger chez eux, dans le restaurant. Et aujourd'hui, j'ai vous. On a des amis communs alors. Alors j'ai des amis et j'espère que vous pourrez me regarder sur mon site. Avec plaisir. Dailymotion. Je suis artiste, je suis comédien et je fais de l'humour. Vous êtes excellent, vous êtes excellent. Je fais des personnages un peu disjonctés. Je vous ai vu un petit peu à l'œuvre tout à l'heure. Oh, je vais faire une photo avec le monsieur. Voilà, on va faire la photo.